Allez, salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie. Donc voilà. Donc il y a du zinc. Donc là j'ai pré-coupé le petit bouchon pour le côté. Voilà. Et elle va jusqu'au bout là-bas. Donc je vais vous faire voir comment je vais faire pour la souder. Je vais me débrouiller, faire au mieux. Allez, à la suite. Allez, donc là on commence. Donc là j'ai ma pièce. Donc je la présente. Allez, il va manquer. Je vais couper un petit peu là pour qu'elle épouse bien. Voilà, un petit peu. Hop. Après, je précise, on n'est pas des pros dans la matière, mais on se débrouille comme on peut. Voilà. Je prends du décapant spécial. Donc là, j'ai ma pierre pour nettoyer la panne du chalumeau. Vous verrez tout à l'heure. Je prends mon décapant. Et ça caille en plus. Ouf. Donc là, je décape cette partie-là aussi. Je prends une baguette de plomb. Bon, d'étain, pardon. Souder mon zinc. Donc c'est des baguettes, pareil, c'est des baguettes spécifiques. Hop, ça y est. Je fais chauffer. Donc ça, c'est la panne, comme on disait tout à l'heure. Donc la baguette spéciale. Un chiffon qui est sec actuellement, avec un peu d'eau. Donc moi mon repère c'est voilà, c'est ça. Donc j'ai ma pierre ici pour nettoyer la panne. Dès qu'elle commence un peu à fumer, ma panne est à température. C'est pareil, le chalumeau, une fois que vous allez souder, on va pas le mettre trop fort, sinon vous allez. Ça va fondre. Après ça c'est à vous de l'adapter en fonction de votre soudure. Voilà, ça commence à fumer. C'est que ça commence à chauffer. Ça commence à être bon aussi. Vous voyez, là elle est noire. Pierre, ça enlève toutes les aspérités. Du coup, elle est propre. Donc là, je baisse mon chalumeau. Donc je le connais, je sais à peu près à la chaleur où je dois le mettre. Donc moi, je me mets 5000 en retrait. Donc, par rapport à ça, 5 mm en retrait. C'est-à-dire, je vais l'éteindre déjà. Là. Hop. Un peu, vous voyez la différence, ça chauffe direct. Voilà, ah ouais, là il n'y a pas de trucage, hein, c'est du vrai. Hop, faut faire couler, laisser refroidir, couler pour faire un peu de matière. Voilà, après moi ce que je fais, voilà, je fais descendre petit à petit. Il faut pas rester trop dessus parce que sinon ça devient trop liquide. Là, la soudure verticale est finie. Quand le bec ne fait pas fondre l'étain comme il faut, hop, petit coup. Voilà. Voilà. Et là, ce que je fais, hop, je le tire petit à petit. Voilà.
fois que la soudure est presque achevée, moi je prends les chiffons humides, je passe dessus. Enlever l'acidité. Endroits où on aperçoit des trous, mais on n'hésite pas à repasser un peu de décapant. Voilà. Hop. Hop. Et il faut un tout petit trou encore une fois. Voilà, pour moi ça m'a l'air carré là. Allez, voilà, ma soudure est finie. Du coup, voilà. Là on peut voir Allez, à bientôt.